Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Nandril et on se retrouve aujourd'hui eh bien pour parler des actualités autour des jeux de cartes. Donc au sommaire de cette édition, on va parler de Exarchy, un jeu qui mixe un petit peu Battle Royale, jeu 4X et jeu de cartes. Très intéressant et très prometteur, vous allez voir ça. Ensuite, on parlera de Magic the Gathering, où il va y avoir une grosse nouvelle concernant un croisement entre deux univers un petit peu parallèles, comme ils ont l'habitude de faire, mais cette fois-ci, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Ensuite, on va parler de Marvel Snap, bien entendu. On va aborder rapidement Naruto Kaiju, et on parlera pour finir de Warcraft Rumble. Allez, on est parti. Alors, on est parti tout de suite pour parler de Exarchy. Donc, Exarchy est un jeu qui est sorti le 19 octobre sur Steam au prix de 20 euros. C'est un jeu payant, mais qui dispose d'une démo jouable, hein, si vous voulez vous faire vos premiers avis. Le jeu est développé par Main Tank Software et puis édité par Yogscast Game. Et puis il a bénéficié d'un financement participatif sur Kickstarter. Je vous mets le lien en description si vous voulez en apprendre plus. Donc ce jeu est un jeu qui m'a l'air très prometteur dans la mesure où il utilise plusieurs concepts de jeu ayant fait leur preuve pour en faire qu'un seul. C'est-à-dire que c'est un jeu de cartes. Bien sûr, sinon on n'en parlerait pas ici. Mais il mixe également les concepts de jeux 4X. Donc, jeux 4X, c'est finalement des jeux de gestion un petit peu à la civilisation. Et puis le concept de Battle Royale. C'est-à-dire, on est 10 joueurs en même temps à jouer nos cartes. Et puis, voilà, il faut être le dernier, enfin, du moins, faut être le joueur avec le plus de points pour remporter la partie. Alors, on va pas rentrer en détail hein, dans les règles. Hein. Tout est expliqué sur Kickstarter. Je vous laisserai aller le voir, mais il est tout de même deux trois choses à noter. Alors déjà, de par ce concept, les parties sont assez longues, c'est-à-dire qu'il faut compter environ 1 heure la partie. Ensuite, les 10 joueurs jouent en ligne, on peut jouer en ligne ou contre une IA, mais les 10 joueurs jouent simultanément en fait leur tour. Et puis, chaque nouveau tour, eh bien, on repioche une main complète et on joue sa main, etc. Donc c'est vraiment intéressant comme concept. Bien sûr, toutes les décisions que vous allez prendre dans le jeu vont avoir des conséquences hein, sur votre partie, sur la partie de vos adversaires également. Alors, lorsqu'on commence une partie, il faut savoir qu'en fait, il y a 10 factions qui sont jouables actuellement, 10 civilisations pour être exact, avec chacune eh bien, leur propre capacité finalement. Donc, on retrouve la Perse, la Grèce, l'Arabie, Rome, les Aztèques, l'Égypte, l'Angleterre, la Russie, la France et la Chine. Et donc vous gagnez des points grâce à des points de victoire finalement que vous accumulez tout au long de la partie. Donc au niveau de la carte, ça se passe finalement sur une carte avec des tuiles hexagonales qui représentent finalement le monde dans lequel vous allez évoluer. Et pour évoluer justement sur ce monde, eh bien il y a des cartes. Vous avez plusieurs types de cartes, vous avez des unités, des bâtiments, des cartes technologiques, des cartes de merveille également qui seront votre ressource principale finalement de points de victoire, des cartes de promotion, des capacités de civilisation, etc. Et puis bah, chacune de ces cartes vous octroie différents avantages et puis potentiellement différents malus aussi à vos adversaires. Donc c'est très intéressant puisque là il va falloir essayer d'avoir un petit peu une stratégie et essayer peut-être hein, aussi en fonction de comment vous allez voir la chose. Eh bien, d'essayer de s'y tenir tout au long de votre partie. Par exemple, on va peut-être avoir une tendance plus militaire, peut-être on va essayer de s'orienter plus sur le commerce, etc. pour remporter la partie. Puisqu'encore une fois, ici, c'est en termes de points de victoire. C'est pas parce que vous tuez beaucoup d'unités que vous gagnez forcément la partie. C'est cumulé en termes de points de victoire, ce qui n'est pas sans rappeler, par exemple, Seven Wonders, le jeu de plateau Seven Wonders, pour ceux qui connaissent. Alors, pour créer ce jeu, hein, ils se sont directement inspirés, et puis ils ne s'en cachent pas, de jeux comme Civilization, comme Catan, ou encore comme Hearthstone pour le côté jeu de cartes. Pour moi, c'est un jeu voilà, très prometteur et que je souhaitais partager avec vous. Alors, on enchaîne tout de suite avec Magic the Gathering. Donc, hein, il y a l'extension Les Cavernes Oubliées d'Ixalan qui arrive mi-novembre. Avec Les Cavernes Oubliées d'Ixalan, comme à chaque extension, eh bien, il y a des nouveaux mots-clés. Donc, cette extension est pas sans rappeler, bien sûr, Jurassic Park. C'est une extension très axée autour des créatures de type dinosaures, etc. Avec une inspiration très Inca et... De toute façon, vous pouvez voir ça directement, rien qu'au niveau des visuels des cartes. Et il y a plusieurs capacités. Alors, on va passer en revue très rapidement hein, ces capacités avant de parler vraiment de la news qui va en intéresser plus d'un concernant Magic, mais pas que. Alors, on a déjà la capacité de façonnage, qui est une capacité finalement dans laquelle il faut utiliser plusieurs cartes artefacts pour en créer qu'une seule. Les cartes avec façonnage vous indiquent en gros eh bien, exiler tant de cartes avec tant de capacités, par exemple, moyennant un certain coût, pour en créer une nouvelle. La carte nouvellement créée, c'est la carte qui dispose de façonnage, donc c'est une carte recto verso, et finalement, si vous remplissez les conditions, alors vous transformez la carte, vous la retournez.
Ensuite, une petite modification sur les cartes recto verso qui se transforment. On a un triangle vers le haut pour la carte recto et un triangle vers le bas pour la carte verso qui est indiquée directement. On a une nouvelle capacité qui s'appelle descendu. Descendu qui est ni plus ni moins un effet si on a mis des cartes de permanent. Donc c'est très important de comprendre ça, permanent, c'est-à-dire pas les sorts de type rituel ou éphémère. Des cartes permanentes qui rejoignent notre cimetière pendant ce tour. Ensuite, étroitement lié avec ça, il y a des cartes avec descendu X, enfin descente X et descente insondable. C'est-à-dire que descente X, en fait, la carte a une capacité si X cartes de permanent sont dans votre cimetière. Par exemple, une carte avec descente 4 plus une capacité derrière, ça veut dire que, il faut qu'il y ait au moins 4 cartes de permanent dans votre cimetière pour que la capacité soit activée. Et descente insondable, eh bien c'est un petit peu similaire. C'est-à-dire que en fait, la capacité va dépendre du nombre de cartes de permanent que vous avez dans votre cimetière. Typiquement, descente insondable, si je prends l'exemple du champ de stupéfaction, qui nous dit que descente insondable, le permanent enchanté gagne moins x moins 0, x étant le nombre de cartes de permanent de votre cimetière, et bien voilà. Donc si vous avez 3 cartes de permanent de votre cimetière, le permanent enchanté gagne moins x, enfin moins 3 moins 0. Vous en rajoutez une autre, et bien le permanent gagnera un moins 1 supplémentaire, etc. Ensuite, on a la découverte et son apparition. Donc, découverte, typiquement, c'est on exile les cartes du dessus d'une bibliothèque jusqu'à rencontrer une carte une carte non-terrain avec un coût de mana inférieur ou égal à X. Donc, découverte 3, par exemple, eh bien, il faut qu'on croise une carte avec un coût mana inférieur ou égal à 3. Et puis, on peut lancer ce sort ou mettre dans notre main notre convenance. Bien sûr, le reste est mis en toute la bibliothèque. Et une autre capacité qui s'appelle explorer, enfin explore. Et donc une créature qui explore finalement nous dit qu'il faut qu'on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, alors on la met dans notre main. Si c'est une carte, si c'est une carte non terrain, et ben du coup la créature qui a exploré gagne plus 1 plus 1. Et ensuite cette carte peut choisir de la mettre soit sur le dessus de notre bibliothèque, soit dans notre cimetière. Et enfin, on a un petit marqueur qui fait également son apparition, qui sont les marqueurs fatalité. Et typiquement, une créature avec un marqueur fatalité, et bien lorsqu'elle meurt, elle ne va pas dans le cimetière, elle est exilée directement. Donc ensuite, la news dont je voulais vous parler concernant Magic the Gathering, eh bien c'est un croisement d'univers, en fait, comme ils ont déjà fait avec Game of Thrones, avec Doctor Who, etc. Là, ça va être avec Marvel. Donc il va falloir être un petit peu patient, puisque malgré le fait que la news soit teasée depuis quelques temps, et puis que voilà, c'est pas avant 2025 a priori. Mais voilà, hâte de voir ce que ça va donner, ce croisement d'univers entre Magic et Marvel. Ça va être quelque chose de cool, je pense. Donc voilà, hâte de voir ça. Rendez-vous dans 2 ans, du coup. Parlons un petit peu quand même de Marvel Snap. Donc Marvel Snap, là, le mois de novembre, est dédié à la saison de Miss Marvel, qui fait donc son apparition, qui va faire partie du Season Pass. Et puis ce mois-ci va voir l'arrivée finalement de cartes. Et notamment des cartes voilà, assez attendues. Donc on a fait des vidéos avec Flamberstein là-dessus, même des lives pour en parler. Donc on va pas s'attarder plus que ça sur le sujet. Je vous invite à aller voir à ce moment-là nos autres vidéos pour avoir plus de détails. Mais les cartes qui arrivent donc en novembre sont eh bien, Gladiator, Annihilus, Martyr. Et même s'il arrive début décembre, mais il arrive dans la saison de novembre, du coup, Blob. Blob qui fait, à mon avis, qui va faire un. Aussi un gros carton quand il va arriver, il va faire beaucoup parler de lui, tout comme Annihilus. Hein. Annihilus sont. Enfin voilà. Les 4 cartes là, à mon sens, sont des cartes qui sont relativement cool. Alors ensuite, on va parler rapidement eh bien, donc, d'un nouveau jeu qui existe hein, déjà depuis 2022 en Chine, mais qui arrive du coup en Europe et particulièrement en France eh bien, à la fin de cette année. C'est-à-dire, c'est Naruto Kaiju. Donc Naruto. Qui ne connaît pas Naruto, ce célèbre manga, eh bien, finalement, vous allez pouvoir collectionner des cartes de Naruto, que ce soit Naruto lui-même, Sasuke, Sakura, etc., pour ceux qui connaissent. Et du coup, ce jeu s'annonce être vraiment beau. Il va s'adresser à un public de collectionneurs, là, typiquement. C'est un jeu de cartes papier, hein, un vrai jeu de cartes, puisque les cartes vont être juste magnifiques, en fait. Et le jeu propose, en fait, 20 raretés de cartes différentes. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, hein, c'est le cas de le dire. Alors. Et en fait, les 20 raretés, eh bien, typiquement, sont tous suffixés par R pour synonyme de rareté. Et puis, on va avoir donc les cartes rares, les cartes super rares, les cartes super super rares. On va avoir les cartes de trésor, on va avoir les cartes de trésor gold, on va avoir etc. etc. On a les ZR, HR, UR, enfin, il y en a. Bah, il y en a 20. Donc, c'est pour ça que je disais, le jeu, à mon avis, va s'adresser à un public vraiment de collectionneurs.
Et bien sûr, plus on monte dans la rareté des cartes, plus les cartes sont juste sublimes avec des effets de brillance, etc. Et enfin, un jeu est arrivé donc le 3 novembre, donc c'est tout récent, vous avez certainement entendu parler, qui est Warcraft Rumble. Pareil, on a fait des petites vidéos dessus là pour présenter le jeu rapidement, donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là, mais pour bien comprendre, eh bien, Warcraft Rumble c'est un jeu de cartes un petit peu à la Clash Royale, c'est-à-dire qu'on a un deck de 6 cartes, on joue ces cartes qui finalement représentent des figurines, hein, des figurines bien sûr emblématiques de l'univers de Warcraft. Hein, et le but, bah, ça va être d'aller détruire finalement l'idole ou le héros adverse. Le modèle économique du jeu a l'air d'être quand même assez souple, du moins beaucoup plus souple que sur des jeux comme Clash Royale. Donc je pense que si vous aimez l'univers de Warcraft, essayez de laisser de côté pour l'instant le côté Blizzard, profit, etc. Faites-vous votre avis sur le jeu. Il n'y a que comme ça que vous, voilà, vous pourrez vous forger votre propre avis. Et puis voilà, le jeu au téléchargement est gratuit, hein, donc ça c'est voilà, quelque chose d'important. Et pour les jeux gratuits, il est normal, on connaît, c'est l'époque qui veut ça, on va dire. Il y a forcément des microtransactions, etc. Mais en théorie, du moins pour l'instant, pas de transactions qui nous permettraient d'avoir vraiment un ascendant sur les gens qui payent pas pareil. Voilà, c'était tout pour les news de ce début novembre. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Il y a des choses que vous espériez, des choses que vous attendez là, avec impatience, etc. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien et puis à très bientôt.